Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons exceptionnellement faire cette émission le jeudi soir parce que le jeudi soir, c'est le créneau en principe de notre émission Allô, le ciel est ouvert. Donc, je vais prendre ce créneau pour exceptionnellement cette semaine pour enseigner sur comment annuler les verdicts de mort sur votre vie parce que je vais prendre le temps de prier avec vous. Donc, l'émission où nous allons prier ensemble, c'est l'émission Allô, le ciel est ouvert et Rencontre sur les réseaux sociaux. C'est une émission de mentorship et d'enseignement où vous me posez des questions et je réponds à ces questions. Donc, exceptionnellement, nous allons mixer les deux. C'est-à-dire que je vais vous enseigner. Après, vous allez poser des questions. Je vais vous répondre et après, nous allons prier pour vous. Donc, êtes déjà en ligne, impatient, commencez à partager le direct pour que vos proches soient au courant de ce qui est en train de se passer actuellement sur Facebook. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres que cette émission est aussi en direct sur Evangile.tv pour vos amis, vos proches qui n'ont pas du tout Facebook. On a pensé à eux et l'émission est actuellement diffusée donc sur notre site Evangile.tv, sur notre télévision Evangile.tv. En tout cas, je vous remercie de nous suivre. Je vous remercie de donner de l'importance à notre ministère et à notre mandat. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider à comprendre la parole de Dieu et à vivre une vie chrétienne victorieuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des sessions de mentorship et dans ces sessions, je veux vous enseigner à ne pas commettre les erreurs que plusieurs d'entre nous, nous avons commises dans le passé. Vous savez, aujourd'hui, j'ai près de 24 ans, bientôt 25 ans de vie chrétienne. J'ai commencé à marcher vraiment avec le Seigneur à l'âge de 12 ans, mais dès mon jeune âge, j'étais à l'école du dimanche, je savais déjà prier, je fréquentais une église avec mes parents. Donc, les choses de Dieu, c'est très tôt que j'ai été plongé dedans. Donc, ça m'a permis de développer une certaine expérience que beaucoup aujourd'hui n'ont peut-être pas. Et j'aimerais partager cette expérience avec vous, d'où l'importance du ministère. Vous savez, j'affectionne beaucoup le ministère média. Et je tiens à vous dire qu'actuellement, au moment où je suis en train de parler, nous sommes en direct. C'est une émission interactive. Vous pourrez aussi me poser des questions lorsque je vous donnerai le top. J'ai dit tantôt que j'aime beaucoup le média. J'aime le média pourquoi? Parce que on a la possibilité de toucher des personnes qu'on ne peut pas toucher physiquement. Voyez-vous, là où nous sommes là, il y a des gens derrière l'écran que je ne vois pas, mais le Saint-Esprit les voit, Dieu les voit, et Dieu a déjà envoyé un ange derrière chacune des personnes qui regardent cette émission. Vous savez, le ministère média, notre ministère média est accompagné de l'onction de Dieu et des anges de Dieu. Au moment où vous me regardez, Dieu a déjà mandaté des anges. Partout où cette émission est suivie, il y a un ange au minimum qui se trouve à cet endroit. Des anges qui travaillent avec nous sont dans les maisons où vous êtes. C'est d'où l'importance de vous connecter à cette émission. Si vous n'avez pas d'ange, le fait de vous connecter à cette émission, les anges qui travaillent avec nous vont venir avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une révélation. Oui, il y a des gens qui n'ont pas d'ange parce qu'ils sont loin de Dieu. Et lorsque vous partagez cette émission sur votre mur, vous donnez la possibilité aux personnes qui sont loin de Dieu de découvrir la révélation du Seigneur. Et quand ils se connectent sur Facebook et qu'ils se connectent à cette émission, systématiquement, en un clin d'œil, il y a un ange qui vient à côté d'eux et qui est prêt à exercer le ministère en leur faveur. Bien sûr, il y a aussi le Saint-Esprit qui est là pour éclairer les gens, pour ouvrir l'intelligence afin que les gens puissent comprendre la parole de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour nous ouvrir l'intelligence afin que nous ayons la sagesse de saisir ce qu'il nous dit. Et j'aime beaucoup enseigner sous l'onction du Saint-Esprit parce que l'onction va rendre intelligent quelqu'un qui ne l'était pas. Et la parole qui est enseignée va amener la révélation et cette révélation est due à l'onction du Saint-Esprit. Et justement, la Bible va nous dire, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Je crois, mes chers frères et sœurs, que ce soir, la révélation de la parole de Dieu va vous éclairer et elle donnera de l'intelligence aux simples. C'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, je crois que cette émission est extrêmement importante pour vous, pour moi et pour tous les
chrétiens qui vont la regarder. Parce que le diable s'amuse trop avec les chrétiens qui ne sont pas conscients de leur autorité, des chrétiens qui ne savent pas comment agir en face des menaces du diable. Je vais vous montrer pendant cette émission comment agir en face des menaces du diable et vous allez tester, vous verrez que la parole de Dieu est vraie. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée. Le mot éprouvé ici signifie qui a fourni ses preuves. Et quelqu'un qui a fourni ses preuves, vous savez, il n'a plus rien à démontrer. Est-ce que vous comprenez? Quand il n'a plus rien à démontrer, la seule chose que nous devons faire, c'est croire en cette personne lorsqu'elle nous dit qu'elle va faire quelque chose. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, si la parole de Dieu dit que vous êtes plus que vainqueur, voyez-vous, tous ceux qui ont cru en cette parole ont eu la victoire, ont eu le triomphe et ont fait des exploits. Si la parole de Dieu nous dit que si tu dis à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, parce que la parole de Dieu est éprouvée, parce que Jésus-Christ a appliqué la parole et ça a marché, parce que les apôtres ont appliqué la parole et ça a marché, parce que les principes l'ont fait marcher, parce que les pères de l'Église l'ont fait ça marcher, parce que des personnes avant notre génération l'ont fait et ça a marché, vous aussi, lorsque vous le ferez, alléluia, ça marchera. Je sens l'onction de Dieu dans cet endroit, je sens la présence de Dieu dans cet endroit et je prie maintenant que cette onction puisse vous toucher là où vous êtes, que toutes les personnes qui sont connectées à cette émission maintenant soient sous l'influence du Saint-Esprit et de son onction maintenant. Père éternel, je prie au nom de Jésus, tu touches toutes les personnes maintenant qui sont sous l'influence de ce programme. Père, que ta grâce abonde dans leur vie au nom de Jésus. Père, merci pour la présence des anges. Tu nous as dit en début d'émission que les anges sont partout où cette émission est diffusée. Les anges sont partout chez toutes les personnes qui sont connectées à cette émission. Père, je te remercie et je te bénis parce que tes anges sont en action et en activité maintenant. Père, je te bénis parce que le Saint-Esprit est en action et en activité maintenant. Père, je crois au nom de Jésus que tout ce dont ils auront besoin, chacune des personnes maintenant connectées à ce programme, tout ce dont il aura besoin aujourd'hui, ce soir même, il obtient l'exaucement parce que Seigneur, ta parole ne ment pas. Seigneur, merci pour la gloire qui remplit les maisons. Merci pour la présence qui remplit les chambres maintenant. Merci pour ta gloire qui remplit maintenant les lieux. Père, que ton onction se manifeste évidemment dans les vies. Père, qu'il se fasse des miracles, des signes notoires dans leur vie. Père, qu'une grâce spéciale se manifeste, Seigneur, ce soir dans la vie des gens. Père, que les chaînes tombent, alléluia. Afin que les aveugles voient, afin que les sourds entendent, afin que les malades soient guéris, afin que toute déclaration symptomatique soit annulée dans les vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te remercie parce que tu as dit dans ta parole, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que cette parole est réelle aujourd'hui. Dans la vie de celui qui me regarde maintenant, dans la vie de celui qui se connecte à cette émission maintenant. Père, je viens déclarer au nom de Jésus que la simple connexion à cette émission, Seigneur, communique maintenant une grâce au Dieu à toutes les personnes qui se connectent à cette émission. Père, que quelque chose se passe et se produisent maintenant dans leur vie au nom puissant de Jésus. Si vous regardez cette émission maintenant et c'est par hasard que vous êtes là, ne zappez pas, ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu est sur le point de te parler et te dire des choses ce soir qui vont sauver ta vie, qui vont sauver la vie de tes proches, qui vont sauver la vie de ton entourage. Dieu est sur le point de te visiter ce soir par sa parole et produire quelque chose qui va changer littéralement ta vie, ton existence, quelque chose qui va laisser dans ta vie un témoignage, quelque chose qui fera l'objet d'écriture des livres qui se retransmettront de génération en génération. Parce que nous prions un Dieu de miracles, alléluia. Nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu puissant. Quelqu'un est sur le point de recevoir un miracle pendant que nous serons en train de donner cette émission, pendant que nous serons en train de faire cette émission. Quelque chose va se passer véritablement dans ta vie. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté, je ne sais pas pourquoi tu es là, tu regardes cette émission, mais je sais une chose, que personne ne peut se connecter à la grâce de Dieu et repartir comme il est venu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'encourage, rester connecté jusqu'à la fin parce que tu vas recevoir une parole venant de Dieu. Voyez-vous, le diable est un menteur et ce soir, Dieu veut vous démontrer par sa parole que le diable est un menteur. Dieu veut vous démontrer en vous équipant
qui pense ce soir que le diable est un menteur. Voyez-vous, entre ce que le diable dit et ce que Dieu dit, mes chers frères et sœurs, ce que Dieu dit est puissant que ce que le diable dit. Alléluia. Et comment est-ce que le diable parle aux gens? Comment est-ce que le diable menace les gens? Comment est-ce que le diable envoie des verdicts aux gens? Je vais vous le démontrer tout. Je vais vous le montrer tout à l'heure, mes chers frères et sœurs. Et je crois sérieusement que vos vies seront impactées par la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas la puissance de changer une vie. La seule puissance que j'ai, c'est celle de la parole de Dieu. C'est celle de l'onction du Saint-Esprit. Jésus est là où vous êtes et il est prêt à faire quelque chose. J'aimerais que là où tu es, tu puisses dire quelque chose va se passer dans ma vie. Je vais voir des changements se produire dans ma vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles maintenant, ne tarde pas. Partage maintenant cette émission parce qu'il y a quelqu'un qui va être touché maintenant. Partage, c'est très simple. Tu appuies sur le bouton juste en bas, partager, et tu partages le direct sur ton mur. Cet enseignement va sauver la vie aux gens. Voyez-vous, si vous allez près des hôpitaux, vous verrez des gens sortir de là dépités. Dépité parce que ils ont ressenti peut-être certains symptômes ou ils sont allés faire des examens tout simplement et là le médecin leur a annoncé des paroles graves, des choses graves concernant leur santé. Et certains d'entre eux, les médecins ne savent même pas ce qu'ils ont, mais les médecins soupçonnent que c'est quelque chose de grave. Peut-être qu'au moment où vous me regardez, vous êtes dans cette situation ou vous avez un proche qui est dans cette situation. J'aimerais vous dire que là où il y a le désespoir, le Seigneur Jésus peut mettre l'espoir. J'aimerais vous dire que là où les médecins ont condamné la parole de Dieu, peut vous donner encore de l'espoir. Mes chers frères et sœurs, ne basez pas vos vies sur la science, basez vos vies sur la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que tout a été fait sur la terre, dans l'univers, par la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ça fait des années que je bâtis ma vie sur la parole de Dieu et je ne suis pas déçu. Au moment où je veux être découragé, il y a suffisamment de substance dans cette parole pour m'encourager. Vous pouvez faire confiance en la parole de Dieu, la lire, la méditer, l'écouter, mes chers frères et sœurs, pour sortir du découragement. Peut-être qu'on vous a déjà donné un nombre de mois à vivre à cause de cette maladie. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a encore de l'espoir. Peut-être que ce n'est pas toi, peut-être que c'est un de tes proches. J'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez-moi bien, si le Seigneur Jésus est vivant, ça veut dire qu'il est capable de faire les prodiges et les signes qu'il a fait il y a des milliers d'années maintenant. Il peut le faire aujourd'hui. La Bible dit qu'il est à droite de Dieu le Père. Il intercède en notre faveur et il a envoyé des prophètes. Il a envoyé ses messagers. Il a envoyé des pasteurs. Il a envoyé des évangélistes. Il a envoyé des docteurs. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des apôtres pour parler en son nom. Et il m'a envoyé ce soir pour parler en ton nom. Au moment où je suis en train de vous parler, mes chers frères et sœurs, je suis rempli de la hardiesse du Saint-Esprit parce que je sais que l'onction de Dieu est là où vous êtes maintenant. Et je crois sincèrement que quelque chose de puissant peut se passer. Voyez-vous, les verdicts de mort vont prendre plusieurs formes. Aujourd'hui, nous parlons de verdicts de mort, mais ça peut être aussi un autre type de verdict, mes chers frères. Frères et sœurs, ça peut être des verdicts d'affaiblissement, est-ce que vous comprenez? Ça peut être des verdicts par rapport à des dossiers, mais j'aimerais vous dire ce soir que le Seigneur est vivant, il a la possibilité, mes chers frères et sœurs, il vous a donné l'autorité et la puissance de renverser cela. Et ce soir, j'aimerais vous montrer comment. Bien-aimés, parfois, ces verdicts vont venir dans nos pensées. Et le diable va nous faire croire que nous allons mourir, ou que nous allons tomber malade, ou que nous allons échouer, ou que nous n'allons pas y arriver. Et il va nous matraquer parce que une pensée fera appel à une autre. Et il nous montrera autour de nous les gens qui sont morts de maladie. Il nous montrera dans notre lignée, dans notre parenté, des personnes qui ont souffert de certaines maladies et qui n'ont pas tenu. Il nous montrera des personnes qui ont échoué autour de nous. Il nous montrera des personnes qui n'y sont pas arrivées. Et il dira, tu n'es pas meilleur que ces personnes-là, toi aussi tu ne vas pas y arriver. Mais mes chers frères et sœurs, si vous croyez aux mensonges du diable, effectivement, ces choses-là arriveront dans votre vie. Dieu vous demande une chose très simple, ne pas croire aux mensonges du diable. Parce que Dieu a investi en l'homme, Dieu a un plan merveilleux pour vous. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, les plans que Dieu a forgés pour toi, ce sont des plans et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et pour les chrétiens, parfois le diable vient vous faire croire que ces plans viennent de Dieu.
Dieu. Le diable vient vous faire croire qu'effectivement votre temps va bientôt passer, que votre temps va bientôt arriver et que effectivement vous n'allez pas faire ce que vous avez prévu faire parce que de toutes les façons, ce n'est pas vous qui décidez, c'est Dieu qui décide. Mes chers frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, vous comprenez que Dieu a des projets de paix et non de malheur, alors vous pouvez refuser ces pensées démoniaques. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont tomber gravement malades parce qu'ils ont accepté des pensées de maladie dans leur cœur? Vous savez, quand Satan va attaquer un corps, il peut commencer par la pensée. Il peut commencer par suggérer des choses à la personne. Et la personne va commencer à accepter ces choses. Et voyez-vous, Satan va conditionner, pour envoyer son venin aux gens, il va conditionner l'être humain par son environnement, par sa culture, par son entourage. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la télévision, excusez-moi si je vais très vite, c'est parce que je sens l'onction de Dieu et j'ai envie de dire un tas de vérités en même temps, mes chers frères et sœurs. Vraiment, pardonnez-moi pour la rapidité avec laquelle, le flot avec lequel je vous donne ces vérités, mais vraiment, prenez-les avec votre esprit. Au moment où je suis en train de parler, ce que je suis en train de dire vient tout droit de mon esprit et je veux communiquer cela à votre esprit. Si vous voulez, si vous recevez les choses rien qu'à part la chair, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Mais si vous vous connectez maintenant, spirituellement, à la grâce qu'il y a maintenant, mes chers frères et sœurs, les paroles que je suis en train de vous dire vont être déposées directement dans votre esprit. Et quand les paroles sont déposées, hallelujah, je sens l'onction de Dieu. Quand les paroles sont déposées directement dans votre esprit, là, le fruit vient. Là, il y a du résultat. Beaucoup de chrétiens, en fait, n'ont pas de fruit et de résultat parce qu'ils n'écoutent pas la parole avec leur esprit et la parole n'est pas déposée dans leur esprit. Hallelujah. Donc, mes chers frères et sœurs, Satan, avant de mettre une maladie, avant d'amener une situation compliquée, il va suggérer des pensées. Si vous acceptez ces pensées-là, mes chers frères et sœurs, vous commencez à faire entrer le venin du diable dans votre vie. Il fera toujours comme ça. Il l'a fait avec Adam et Ève, il l'a fait avec Jésus. Rappelez-vous, avec Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Fais ceci, fais cela. Si tu es le Fils, il suggérera des choses. Quand vous acceptez ces choses-là, non pas que je n'étais pas le Fils de Dieu, mais c'est que Satan demandait à Jésus de faire, mes chers frères et sœurs, le Seigneur n'avait pas du tout à le faire à ce moment-là. Donc, il va suggérer des choses. Parfois, lorsque vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il vous suggérera des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Parfois, même lorsque vous connaissez la parole de Dieu, il vous suggérera des choses dans lesquelles vous avez des faiblesses et vous aurez du mal à lui opposer la parole de Dieu. Dès l'instant où vous acceptez ces choses-là, ça commence à devenir des choses concrètes dans votre vie. Et la manifestation physique n'est qu'une question de temps. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand il vous convainc que vous mourrez à 30 ans et que vous l'acceptez, à partir du moment où vous l'acceptez, vous finirez par le déclarer. Dès l'instant où vous le déclarez, vous amenez à l'existence des choses qui n'existent pas et Satan n'a fait que vous suggérer la chose. À partir du moment où vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour votre vie, le plan parfait de Dieu, quand vous ne connaissez pas le psaume 91 qui dit « Je te rassasierai de longs jours, je te ferai voir mon salut », si vous ne comprenez pas les vérités que j'ai dites à la dernière émission de rencontre sur les réseaux sociaux, le fait que la mort est un ami, le fait que Dieu nous donne le choix, le fait qu'à un certain niveau de maturité, mes chers frères et sœurs, ces choses dont on le comprend, si vous ne comprenez pas ces choses, vous les accepterez. Et dès l'instant où vous les acceptez, ces choses vont enfanter, vous comprenez, un venin, vont laisser place à un venin qui va se concrétiser dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Là, pour le moment, le diable n'a pas encore utilisé des gens autour. Il vient juste attaquer vos pensées. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont des pensées indisciplinées. Très peu de chrétiens ont des pensées éduquées. Vous savez, je discute souvent avec des chrétiens et ces chrétiens-là se mettent à dire des choses qui, au départ, sont des pensées. Et quand elles disent ces choses, ce sont des choses tellement graves que je me demande souvent, je dis, mais est-ce que ce chrétien est en train de se rendre compte qu'au moment où il est en train de parler, il est en train de se faire ambassadeur de Lucifer? Je suis étonné de cela. Je dis, mais purée, mais comment les chrétiens n'ont pas de discernement? Comment les chrétiens n'arrivent pas à faire différence entre les pensées
pensées qui viennent du diable et leurs pensées. Comment les chrétiens n'arrivent pas à repousser les pensées de Satan et ils vont jusqu'à les véhiculer même. Mes chers frères et sœurs, cela est dû à notre niveau de maturité. La maturité spirituelle d'un homme commence au moment où il éduque ses pensées et il accorde ses pensées avec les saintes écritures. À partir de ce moment, votre façon de penser change même. Vous savez, la pensée est autoproductive. C'est quoi l'autoproduction de la pensée? C'est-à-dire que quand vous la stimulez, elle est capable de produire des trucs. Tout dépend de la façon dont vous l'éduquez. Si vous éduquez vos pensées bien, ça produira des bonnes choses lorsque la pensée sera stimulée. Et ce que le diable fait, c'est tout simplement stimuler la pensée en vous suggérant des choses, en vous posant des questions. Est-ce que vous comprenez? Et si vous éduquez mal votre pensée, quand vous allez la stimuler, elle va générer des mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment-là, vous aurez pleinement l'impression que c'est vous qui êtes en train de penser. Et la seule tâche du diable sera de stimuler par une suggestion. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, faire un travail dans vos pensées d'abord. Parce que, mes chers frères et sœurs, vos pensées vont conditionner vos paroles. Vos paroles vont conditionner vos actions. Vos actions et vos attitudes vont déterminer votre caractère. Et votre caractère va donner la ligne droite à votre destinée. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Si Satan veut interrompre votre destinée, il mettra dans vos têtes des pensées de mort. Il mettra dans vos têtes des pensées de maladie. Il mettra dans vos têtes le fait que vous n'allez pas y arriver et que, effectivement, des choses vont se passer, des choses mauvaises vont se passer. Si vous acceptez ces pensées, vous verrez ces choses-là se produire dans votre vie. C'est comme ça que certains vont dire, ah oui, mais moi je le savais, j'avais l'impression que... Non, mais cette impression-là, c'était les suggestions qui n'étaient pas en accord avec les Écritures. Et tu ne peux pas, vous ne pouvez pas laisser passer une telle chose dans votre vie, mes chers frères et sœurs. Que ces suggestions aient un rapport avec la mort, que c'est un rapport avec la maladie, que c'est un rapport avec l'échec, vous ne pouvez pas laisser de telles choses prendre place dans votre cœur et faire des petits dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Nous avons une énorme responsabilité sur notre destinée. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a restitué notre respectabilité, mais il a aussi restitué notre responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes responsables de notre destinée. Et Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés qui ne font rien, en fait. Dieu veut nous rendre responsables. Tout comme lui règne, il aimerait que nous puissions régner. C'est l'une des raisons pour lesquelles notre destinée, nous en sommes responsables. Le Seigneur est bien sûr là pour nous conseiller. Il est là pour nous guider, il est là bien sûr pour nous équiper, mais nous avons la responsabilité de cette destinée. Alors, si vous permettez, vous acceptez des pensées sataniques, des pensées qui ne sont pas en accord avec les Écritures, mes chers frères et sœurs, votre destinée sera compliquée. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est l'une des raisons pour lesquelles, mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre que écouter la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, c'est extrêmement important. Ça peut changer littéralement votre vie, mes chers frères et sœurs. Écouter la parole de Dieu va changer littéralement ta vie. Passer du temps à connaître le plan de Dieu, connaître ce que Dieu attend de nous. Mes chers frères et sœurs, vous savez, le pasteur Chris Oyakhilome dit souvent, si nous tous nous lisons correctement la Bible, la vérité, nous arriverons au même résultat. Parce que la différence des doctrines, c'est tout simplement parce que les gens lisent très mal la Bible. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu ne veut pas que vous puissiez mourir jeune. Dieu veut que vous puissiez vivre longtemps. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte que même vous, Dieu veut que vous soyez prospère. Dieu ne veut pas que vous soyez dans le manque. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu ne veut pas que vous soyez stérile. Dieu veut que vous ayez des enfants. Si vous lisez bien la Bible, vous vous rendrez compte, mes chers frères et sœurs, que Dieu veut que vous soyez productif et vous porterez du fruit, nous dit la parole de Dieu. Mais lisez bien la Bible. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous, nous ne lisons pas la Bible. Nous avons des interprétations religieuses de la Bible. Nous entendons des choses de la Bible, mais nous ne la lisons pas véritablement. Nous ne prenons pas le temps d'étudier la Bible. Nous ne prenons pas le temps de vérifier ce que la parole de Dieu dit. Nous ne prenons même pas dans le choix de nos prédicateurs. Nous ne choisissons pas des bons prédicateurs. Des prédicateurs qui peuvent bâtir notre foi, qui peuvent construire notre foi et nous amener loin. Mes chers frères et sœurs, Dieu n'est pas contre le succès. Dieu n'est pas contre la longue vie. Dieu n'est pas contre la santé divine. Dieu n'est pas jaloux lorsque vous vous portez bien. Dieu n'est pas jaloux lorsque vous réussissez ce que vous faites. Au contraire, il est glorifié. Qui d'entre vous sera
dans un mauvais état parce que son enfant réussit. Dieu, c'est la même chose. Et quand vous arrivez à comprendre ça, mes chers frères et sœurs, quand vous avez cette logique de pensée, cette logique de raisonnement, mes chers frères et sœurs, Satan pourra toujours venir essayer de mettre ses pensées pour vous détruire. Vous ne les accepterez pas, mes chers frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous sommes faibles. Là, on est encore dans le fait que Satan vient nous suggérer des choses. On n'est même pas encore dans le fait que Satan utilise des personnes pour mettre des verdicts de mort. C'est d'abord nous-mêmes, en fait. Il nous envoie des pensées pour que nous-mêmes, d'abord, nous déclarons, nous acceptions, nous laissons couler des verdicts de mort, des verdicts d'échec, des verdicts de non-épanouissement dans notre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous acceptons ces choses-là, nous ne comprenons pas que nous affaiblissons notre esprit. Mes chers frères et sœurs, nous devons avoir une mentalité de victoire, une mentalité où l'échec n'est pas permis. Alléluia, gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, il y a une dimension dans la vie chrétienne où vous ne pouvez pas échouer. Et c'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Et c'est ça l'évangile dans lequel j'ai été établi. Gloire à Dieu. Vous qui me regardez, ayez l'honnêteté. Vous voulez bien réussir ce que vous vous entreprenez. Vous voulez bien prospérer. Vous voulez bien être en bonne santé. Certains d'entre vous, vous avez déjà perdu des proches par une maladie. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Non, ça ne vous a pas fait plaisir, mes chers frères et sœurs. Vous aurez voulu que la personne puisse vieillir, qu'elle puisse rejoindre le Seigneur tout doucement, tout doucement, tranquillement. Mes chers frères et sœurs, si vous comprenez ça, vous bâtirez une mentalité qui vous amènera dans la victoire. Et le diable n'utilisera pas vos propres armes pour vous détruire. Oui, je suis d'accord, je vous le redis, Satan peut utiliser vos propres armes pour vous détruire vous-même. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de chrétiens pensent que le diable va utiliser sa puissance pour nous détruire, que le diable est fort. On entend des chrétiens dire, non, le diable est fort, hein, il est puissant. Mes chers frères et sœurs, je suis d'accord, nous ne devons pas sous-estimer le diable. Mais la majorité du temps, si le diable réussit dans nos vies, dans vos vies, c'est parce qu'il utilise vos propres armes contre vous-même. Et pourquoi? Parce que le chrétien aujourd'hui est faible. Il est faible dans ses pensées. Il est faible dans sa mentalité. Parce que le chrétien aujourd'hui n'est pas discipliné. Il écoute n'importe quoi. Il permet n'importe quoi. Il accepte n'importe quoi dans sa vie. Et du coup, quand le diable vient suggérer des choses, il n'a pas la force de résister contre ces choses. Il n'a pas la force de repousser ces choses-là. Et certains d'entre eux, ils ont même laissé des portes à Satan. Et Satan est entré dans leur âme. Et le diable a affaibli leur volonté. Et quand le diable affaiblit votre volonté, vous n'avez plus la force de dire non à ce qu'il vous propose. Mais aujourd'hui même, je déclare la liberté de votre âme au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que là où le diable a pris possession, il lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la libération maintenant au nom de Jésus. Je libère le feu de Dieu maintenant sur toutes les personnes qui ont une âme affaiblie maintenant par la présence d'un esprit satanique. Au nom de Jésus, Satan, tu lâches prise maintenant. Saint-Esprit, je prie maintenant que ta force et ton onction descendent maintenant dans les âmes pour les fortifier. Père éternel, je prie maintenant que ceux qui me regardent soient inondés de ta grâce, inondés de ta puissance, inondés de ton onction. Afin qu'ils disent non au diable, afin qu'ils disent non aux suggestions sataniques, afin qu'ils disent oui à ta parole, la force, Seigneur, oui, d'accepter ta parole, la force, Seigneur, de pratiquer ta parole, la force, Seigneur, de dire non au diable et aux suggestions sataniques. Je prie maintenant que cette force vous soit communiquée au moment où je suis en train de parler. Quelque chose est en train de se passer. Au moment où je suis en train de parler, je vois une jeune fille, elle a 17 environ, elle a 10 environ, elle est en train de me regarder. Je ne sais pas si elle me regarde toute seule ou elle me regarde avec des gens. Tu as des pensées souvent qui viennent et c'est comme si le diable te disait que tu allais devenir folle. Je veux te dire ce soir, aujourd'hui même, que le démon qui veut amener ces choses-là dans ta vie maintenant est en train de partir au moment où tu regardes cette émission. Esprit impur, je te chasse maintenant au nom
puissant de Jésus. Au moment où je suis en train de parler, j'ai vu cet esprit s'enfuir de toi comme un chien s'en va. Est-ce que vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Je vous dis que ce soir, vous allez recevoir votre délivrance. Béni sois-tu, Seigneur, les yeux que tu ouvres maintenant. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu connais toutes les personnes qui sont derrière leur écran maintenant. Père, tu connais leurs besoins. Père, tu connais leurs difficultés. Mon Père et mon Dieu, je prie maintenant que les yeux soient ouverts, oh Dieu. Je te remercie pour les yeux qui sont ouverts, oh Dieu, afin de voir des situations et de les déclarer au nom de Jésus. Père, je te remercie, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui donne la victoire sur les pensées. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, quand la Bible nous dit de faire un travail au niveau de nos pensées, la Bible sait pourquoi. Parce que quand nous avons la pleine maîtrise de nos pensées, quand nous avons le plein contrôle de nos pensées, nous pouvons maîtriser et contrôler notre victoire. Nous pouvons maintenir le diable sous nos pieds. Mais lorsque nous n'en n'avons pas la maîtrise, lorsque nous sommes affaiblis, le diable pourra mettre son venin au-dedans de nous. Et ça, c'est la première chose, la première chose que nous devons faire, c'est discipliner d'abord nos pensées, ne pas accepter les pensées sataniques de l'échec, les pensées sataniques de la mort, les pensées sataniques de la maladie, les pensées sataniques de je ne sais trop quoi, des pensées qui ne sont pas en accord avec les Écritures. À partir de ce moment-là, mes chers frères et sœurs, quel que soit ce que le diable pourra vous suggérer, vous aurez la victoire. Et quand Satan voit que vous êtes bien éduqué dans vos pensées, il va commencer à utiliser les gens, vous comprenez, pour vous attaquer. Je vais parler des premières personnes qu'il va envoyer. Il va d'abord envoyer vos proches. Est-ce que vous comprenez? Des personnes qui sont autour de vous, qui ne croient pas forcément à la parole de Dieu et qui n'ont pas votre mentalité. Ces personnes vont dire des choses sur votre vie. Regardez, je vais vous raconter une petite histoire. Il s'est passé un truc quand j'étais en terminale. J'avais des professeurs qui étaient bizarres. Et on a l'impression parfois que certains professeurs ne veulent pas la réussite, le succès de leurs enfants. Mais ça, c'est la jalousie. On ne va rien attendre de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous suivez? Un manguier ne peut pas donner la nana. C'est pas possible. Donc, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu puisse manifester forcément la bonté. S'il y en a qui manifeste de la bonté, ça, c'est tout simplement la grâce de Dieu. Ça, c'est l'humanité, le côté bon de l'humain. Est-ce que vous suivez? Mais moi, je ne m'y attends pas souvent. Je sais que les gens qui ne sont pas sauvés peuvent être extrêmement méchants. Et il y avait même une catégorie de mes profs, il y avait deux ou trois qui ne m'aimaient pas beaucoup. Et pourtant, je travaillais bien en classe, mais il y en avait qui ne m'aimaient pas. Il y avait certains qui m'aimaient et d'autres ne m'aimaient pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'aimaient pas. Voyez-vous, les gens commencent parfois à vous faire des problèmes parce qu'ils ont vu parfois dans le monde spirituel votre étoile. Parce qu'ils ont vu la grâce qu'il y a dans votre vie. Parce qu'ils ont vu, mes chers frères et sœurs, parfois quelque chose qui dérange leur démon, qui dérange leur gris-gris, qui dérange leurs choses. Et je suis certain et sûr que ces professeurs-là, il y avait quelque chose en moi qui dérangeait leur démon. Et là, un jour, une de mes profs me dit, tu sais, Tsenge, tu n'auras pas le bac. On est là, non, si je suis professeur, tu n'auras pas le bac. Le problème, c'est qu'elle n'était pas la seule prof. Donc, elle pouvait toujours me mettre zéro. J'avais des très, très ailleurs, et donc je pouvais m'en sortir. Donc à elle seule, elle ne pouvait pas me faire reprendre la terminale, et d'ailleurs au bac, ce n'est pas elle qui corrigeait les copies. Donc quand elle me l'a dit, vous savez, je n'ai pas pris au sérieux ce qu'elle m'a dit. Je suis en train de vous dire comment renverser les verdicts du diable, les verdicts de mort, les verdicts de maladie, les verdicts d'échec dans votre vie. C'est ça que je suis en train de vous montrer. Donc je n'ai pas pris au sérieux, et je rigolais même avec ça. Je rigolais avec ça, j'ai laissé comme ça. Et un autre prof me le disait encore. J'avais des collègues aussi, des condisciples jaloux qui me disaient, non, tu n'auras pas le bac, parce que on a déjà vu plusieurs premiers de la classe qui n'ont pas le bac. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais effectivement au bac, et ma mère m'encourageait souvent. Ma mère me disait, tu sais, là, tu es en train de passer un examen. Mon fils, prie plus, consacre-toi un peu plus. Mais j'étais occupé avec les études, j'étais occupé à tout ça, donc je n'ai pas parlé spirituellement. Et là, ce qui se passe, c'est que un jour, on va à l'examen. Quand on va à l'examen, aux délibérations, mes chers frères et sœurs, je n'ai pas du tout, même pas admissible. Et je crois que je suis dans un rêve. Je dis, mais c'est pas possible. Mais pourtant, j'avais des bonnes notes en classe. Et pourtant, les épreuves, je les ai maîtrisées. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, la déclaration de ces professeurs et de ces élèves, de ces collègues, commençait à prendre place. La mesure commençait à être exécutée, mes chers frères et sœurs. Et pour ceux qui connaissent le Gabon, à l'époque, dans les années 90, quand on proclamait, on disait, dans les années 90 et 2000,
quand on disait que tu avais raté le bac, tu l'avais raté. Tu n'y avais pas les histoires de tu vas consulter tes copies et puis on va revendiquer. À l'époque, c'était une utopie. Ce n'était que dans le règlement intérieur, mais dans la pratique, ça ne se faisait pas. Et là, c'est comme ça que un de mes collègues vient me voir et il rigole. Il dit, tu n'es même pas admissible. Oh mon Dieu, ce sont les choses de la honte. Et là, il commence à rigoler. Il rigole. Et il me dit, ça, c'était des choses qui m'arrivaient. Tu sais ce que j'ai fait, Tsengé? Je suis allé dans mon corps, toutes les choses là, je les ai mises sur toi. Et ce qui est en train de t'arriver là, c'est ce qui m'arrivait souvent. Quand je passais les examens, je ne les avais jamais d'office. Et effectivement, j'ai passé le certificat d'études primaires élémentaires, je l'ai eu haut la main d'office. J'ai passé le BEPC, je l'ai eu haut la main d'office. J'ai passé le concours d'entrée en 6e, quand j'étais au CM2, je l'ai eu haut la main. En fait, je n'avais jamais raté un examen. Et ce monsieur est en train de me dire que le fait de rater brillamment les examens, c'est ça qui l'est arrivé et qu'il m'avait filé ce truc et qu'il avait pris mon truc où on gagnait les examens d'office. Mes frères et sœurs, au-dedans de moi, j'ai eu une colère sainte. Ça m'a révolté et je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu ne connais pas mon père, tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas notre Dieu et le Dieu que nous servons. Si c'est toi qui as fait ça, je t'assure, tu verras le 3e jour, tu verras comment j'aurai mon examen. Mes chers frères et sœurs, 3 jours plus tard, on a affiché 21 noms des personnes qu'on avait oubliées au bac et mon nom en faisait partie. Gloire à Dieu. Ma part À partir de ce moment, j'ai commencé à prendre au sérieux les menaces du diable. Je me suis rappelé que ma prof et certains profs disaient que je n'allais pas avoir le bac, que certaines personnes n'allaient pas avoir, certains collègues me disaient que je n'allais pas avoir le bac. Si je ne connaissais pas les principes où on se saisit de son autorité, on déclare les choses. Si je n'avais pas déclaré, ce bac-là partait comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et je serais certainement passé à côté de beaucoup de choses et de beaucoup de grâces. Quelques temps après, j'ai ma bourse pour venir, pour aller à l'étranger. Et mes chers frères et sœurs, je rencontre encore un de ces profs jaloux. Et je lui dis, tout content, vous savez, à l'époque, j'étais très naïf. Hein. Je venais, je disais, ah ben tiens, je m'en vais en France, j'ai eu une bourse. Le monsieur dit carrément, je jure, tu n'auras pas, tu n'iras pas du tout à l'étranger. Tu vas voir, même dans l'avion, on viendra te sortir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur contre moi? J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Mais c'était Lucifer qui était en train de parler à travers lui. Vous savez, quand il a tourné le dos à haute voix, j'ai dit au nom de Jésus, ces paroles ne s'accompliront pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prendrai mon avion et j'irai là où Dieu m'envoie. Et entre-temps, le Seigneur m'avait dit, voici, j'ouvre une porte devant toi que personne ne refermera. Gloire à Dieu. Et effectivement, j'ai voyagé. À partir de ce moment, j'ai pris au sérieux les menaces du diable. J'ai pris au sérieux ce que le diable disait. Certains d'entre nous, nous écoutons des choses. Le diable va utiliser des personnes qui sont proches de nous pour dire, pour injecter des choses et on ne se rend même pas compte que ce sont des verdicts de mort, que ce sont des verdicts d'échec, que ce sont des verdicts de maladie, que ce sont des verdicts de pauvreté, que ce sont des verdicts qui vont nous retarder, que ce sont des verdicts d'échec. On ne s'en rend pas compte. Et on prend ces choses à la légère. On rigole. On est là, on laisse ça passer. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas autoriser ces choses-là se produire dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Prenons au sérieux ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Littéralement, ce passage biblique veut dire, ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Et ce que tu ne permettras pas ne sera pas du tout permis. Qu'en est-il alors de ce que tu permets? Quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est un verdict d'échec, c'est un verdict de maladie, c'est un verdict de mort. Quand il te dit quelque chose, es-tu silencieux ou est-ce que tu renverses la chose? Es-tu silencieux par courtoisie ou bien tu renverses la chose? Mes chers frères et sœurs, si tu ne prends pas le soin de renverser la chose parce que la personne a pris le soin de la libérer, cette chose devient comme une bombe à retardement dans ta vie. Et il faut désamorcer cette bombe ou sinon lorsqu'elle va exploser, elle va t'éclater à la figure. Est-ce que tu comprends? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas permettre ces choses. Quand quelqu'un vient et dit des choses sur vous et que ces choses ne sont pas en accord avec les Écritures, vous dites au nom de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Si c'est une personne d'autorité que vous la respectez par courtoisie,
Vous ne voulez pas dire ces choses-là pour pas qu'elle pense que vous lui manquez de respect. Mais chers frères et sœurs, après la conversation, vous entrez dans les toilettes qui sont à côté, vous entrez dans votre chambre à côté, vous entrez dans une pièce à côté et vous prenez parole. Vous prenez parole par parole et vous démantelez, vous détruisez, vous cassez chacune de ces paroles. Vous dites au nom de Jésus, la parole d'échec qu'il a prononcée, je la détruis et je ne la permets pas. Au nom de Jésus, la parole de maladie qu'il a prononcée, je la détruis et je ne la permets pas. Au nom de Jésus, la parole qu'il a prononcée là maintenant, qui n'est pas en accord avec les Écritures, je ne la permets pas, je la détruis maintenant au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, quand vous faites ça, le verdict n'a plus d'effet dans le monde spirituel. C'est ça que la parole de Dieu dit, hein? Ce que tu permettras sur la terre sera permis. Et vous savez, c'est une loi spirituelle. C'est une loi, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il ne peut rien contre ça. C'est-à-dire que si vous ne venez pas renverser les choses, eh bien les choses vont se produire et vous aurez l'impression que Dieu ne fait rien pour vous. Dieu vous a donné l'autorité. Il vous a donné le pouvoir. Alors faites-le. Vous pouvez activer les lois de permission et les lois d'interdiction. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça la loi de la permission ou la loi de l'interdiction. Gloire à Dieu. Je sens l'esprit de Dieu dans cet endroit. Oh, je sens qu'il y en a qui sont bénis parce que moi-même, pendant que je suis en train de parler, je suis béni. Excusez-moi si je transpire, mais là, vraiment, je sens la grâce de Dieu ici et j'ai tout simplement envie de prendre tout ce que j'ai dans mon esprit et déposer dans votre esprit. Si vous voulez que je dépose, dites seulement dépose, pasteur, et dépose tout. Et je vous assure que ça va déposer dans votre esprit. Donc, prenons au sérieux ces choses-là. Parfois, ça peut être des menaces de sorciers. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les sorciers vont vous menacer. Ils vont vous dire, je vais te tuer, je vais te décimer, toi et ta femme. Bon, enfant. Ici en France, à ce qu'il paraît, il n'y a pas de sorciers. À ce qu'il paraît, les sorciers ici sont très intelligents. Ils vont vous dire des choses intelligentes. Hein? Vous comprenez? Mais le jour où vous allez en rencontrer, bien aimé, prenez au sérieux ce qu'il vous dira. Et quand vous êtes dans cette guerre spirituelle, mes chers frères, le diable n'hésitera pas à travers ses agents de vous menacer. Il pourra vous dire, tu vas voir, je vais te donner tant de jours pour mourir. Écoutez, il y avait un homme de Dieu. Qui voyageait, et quand il voyageait, à un moment donné, il a senti une douleur au cœur et il a eu mal au cœur. Et pendant tout son séjour en France, il avait mal au cœur. Et il allait, les médecins ont examiné tout ça, les médecins lui ont demandé de se reposer tout simplement. Quand il rentre chez lui, sa fille tombe aussi malade. Et quelques jours après, il reçoit une lettre d'une sorcière. Et la sorcière lui dit, écoute, pasteur, moi, je vais te tuer. Parce que tu fais beaucoup de dégâts dans notre camp, j'ai dit que je vais te tuer. C'est moi qui t'ai envoyé ce mal de cœur. C'est moi qui ai touché ta fille. Je vais te tuer, je te le dis. Et là, le pasteur a renvoyé le courrier à la personne. Il a dit, je te laisse 3 jours des réceptions de ce courrier. Je te laisse 3 jours pour venir ici dans mon bureau, te repentir et accepter Jésus. Sinon, tu meurs. La sorcière n'a pas pris ça au sérieux. Vous savez, 3 jours plus tard, elle n'est pas venue. Mais 3 jours plus tard, cette dame est morte. Voici un homme de Dieu qui connaît son autorité. Qui sait que ce qu'il permet sur la terre est permis aux cieux? Qui sait que ce qu'il interdit sur la terre est interdit aux cieux? Il y a certains qui sont maintenant en train de me regarder pour dire, non, mais est-ce qu'il aurait dû faire ça? Il aurait pu faire ça? Vous savez, les sorciers doivent être traités avec la plus grande sévérité. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre ne fait pas de cadeau aux sorciers du tournant de Philippe. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers, il ne faut pas blaguer avec eux, parce que si vous vous amusez avec eux, ils vont vous bouffer et bouffer votre entourage, vous ne vous rendrez même pas compte. C'est quelqu'un qui est capable de rentrer à l'église, vous comprenez, venir se comporter même en brebis, rien que parce qu'il veut avoir le pasteur, parce qu'il veut avoir il veut faire des problèmes à l'église, il veut faire des problèmes aux gens. Faut pas blaguer avec eux. Les sorciers leur menacent. Il faut prendre ça au sérieux. Et le sorcier a peur de la mort. Et vous savez pourquoi il a peur de la mort? Parce qu'il sait qu'il n'est pas sauvé. Parce qu'il sait qu'il ira en enfer. Quand vous le menacez comme ça, mes chers frères et sœurs, je vous assure, il prend au sérieux ce que vous dites. Parfois, les plus orgueilleux ne prennent pas au sérieux. Ils pensent qu'ils peuvent encore faire quelques tours de magie pour défier la puissance divine qui est en vous. Et bien, ce qui leur arrive là-bas, ça ne vous regarde plus. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est des choses qui peuvent arriver. Ça sont les menaces des sorciers, de toutes
concerne là. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a beaucoup de gens, ils ne comprennent pas que le monde spirituel est actif. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là, il y en a, pendant que nous dormons, il y en a qui manigancent des choses contre vous. Vous ne vous même pas compte la journée. Vous levez, vous voyez, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui se compliquent, vous levez avec des douleurs bizarres, et vous ne comprenez pas. Le matin, vous êtes passé là, devant votre porte, il y a eu une poudre, il y a eu des œufs qui ont été déversés là. Mes chers frères, qu'est-ce que des œufs font là, au cinquième étage de votre immeuble, près de votre porte? Même s'il y a des oiseaux qui viennent, mes chers frères, il y a quand même un interphone en bas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Si un oiseau doit rentrer chez toi, il faut qu'il sache l'adresse. Mais supposons maintenant qu'il sache l'adresse. Il faut qu'il compose le code ou il faut qu'il appelle à l'interphone. Vous comprenez? Et supposons qu'il le fasse. Il faut qu'il prenne les escaliers, qu'il retrouve ton étage. Et supposons qu'il le fasse. Il faut qu'il arrive là à pondre ses œufs devant tout le monde quand les gens passent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous voyez ça devant chez vous, mes chers frères et sœurs, ne restez pas là seulement. Ça c'est rien. C'est plus vous passer. Non. Prenez cela comme des menaces sérieuses du diable. Vous dites dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre moi est maintenant sans effet. Je viens déclarer maintenant que celui qui a fait cela contre moi ou contre ma famille, au moment où je suis en train de parler, il est saisi de conviction, de péché. Et parfois même, vous savez, il y a des chrétiens qui sont terribles. Ils déclarent le retour à l'envoyeur. Mes chers frères et sœurs, quand on parle de retour à l'envoyeur, il y a certains ici qui disent, ouais, mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est permis? Quand nous lisons la Bible, vous comprenez, il y a eu des sentences. L'apôtre Paul a donné une sentence à un sorcier qui était en train de l'embrouiller pendant qu'il faisait son ministère auprès d'une personnalité importante. Est-ce que vous comprenez? Il a bien déclaré l'aveuglement. Mes chers frères et sœurs, c'est parce que nous blaguons avec ces choses-là. Mais j'ai tellement vu les sorciers opérer cause des problèmes dans l'église, vous comprenez, qu'aujourd'hui, je n'ai plus pitié d'eux. Vous suivez? Je les aime, comme le Seigneur demande d'aimer tout un chacun. Mais quand je suis en face d'un sorcier, quand je suis conscient, mes chers frères et sœurs, que lui, là, c'est un sorcier, je vais prendre ses menaces au sérieux et je vais lui demander de se repentir. Donc, quand vous voyez ces choses bizarres sur votre immeuble, mes chers frères et sœurs, prenez sérieusement autorité. Quitte à prier en langue, mes chers frères et sœurs, dans le couloir, faites-le au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Faites-le. Ne blaguez pas avec les menaces du diable. Ne blaguez pas avec ça, mes chers frères et sœurs. Vous savez, parfois, on doit manifester une certaine folie en Christ. La Bible dit que la folie ce qui est folie pour Dieu, c'est la folie de la sagesse de Dieu, est une folie pour les hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes en train de vous communiquer la sagesse pour ces choses-là. Prenez ça au sérieux. Si on vous menace, et vous savez, il y a des gens. Je vais un peu m'arrêter là-dessus, hein, sur cette affaire de sorcier. Il y a des gens, il faut savoir les repérer. Le sorcier est très méchant. Est-ce que vous comprenez? Il est très méchant et l'une des caractéristiques du sorcier, c'est la jalousie, c'est la méchanceté et c'est la recherche du pouvoir et de la puissance. C'est pour ça que vous ne devez pas rechercher la puissance, mes chers frères et sœurs. Il n'y a aucune autre puissance que vous devez rechercher parce que la puissance, la toute puissance de Dieu est déjà en vous. Ce que vous devez chercher, c'est la grâce manifeste de Dieu. Parce que c'est la grâce, vous comprenez, qui va manifester plus de puissance ou pas du tout de puissance. Mais la puissance de Dieu, elle est déjà en vous. Qu'est-ce que le sorcier qui était à côté de Philippe là voulait? Lui voulait quoi? Il voulait plus de puissance. C'est pour ça qu'il voulait acheter cette puissance-là pour que les gens posent les mains puissent recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc prenez ça au sérieux, ne blaguez pas avec ça. Et j'aimerais déclarer une chose sur vous. J'aimerais vous dire que toute personne qui a dit des paroles sur vous, ces paroles sont annulées maintenant. Je vois une dame actuellement, je pense qu'elle doit avoir entre 29 ans, entre 29 et 30, je pense. On a dit des choses sur toi, on a déclaré des choses sur toi. Il y a des hommes qui ont dit des choses sur toi. Et parmi ces hommes-là, il y a un qui faisait la magie, qui faisait des mauvaises choses. Tu as pas fait soupçon selon lequel il faisait ça, parce qu'il y avait des trucs
que tu voyais qui était bizarre. Le jour où il t'a quitté, tout ce qui s'est passé t'a montré en fait qu'il faisait véritablement ça. Et ce monsieur t'a dit des paroles qui t'ont fait tiquer, qui t'ont dit c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? Au moment où je suis en train de parler, je vois l'Esprit de Dieu descendre sur toi et les chaînes sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus, je viens annuler toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi maintenant. Je déclare que ces paroles sont nulles et non avenues. Je ne n'autorise pas Satan de réaliser ces choses-là dans ta vie. Je ne permets pas au diable de réaliser ces choses-là dans ta vie. Reçois la délivrance, ma sœur, au nom puissant de Jésus. Il y a aussi quelqu'un qui, il y a des personnes qui sont en train de me regarder. Je crois qu'il y en a beaucoup au moment où je suis en train de parler. J'en vois entre 3 et 4 et je pense 5 aussi. Ce sont des personnes qui ont des parents, qui font de la sorcellerie. Et ces parents ont dit des choses méchantes sur vous. Et ces choses vous ont affecté. Elles vous ont tellement affecté que ces choses ont comme lié votre destinée. C'est-à-dire que vous avez l'impression que beaucoup de choses ne marchent pas. C'est comme si ce qu'ils avaient déclaré en train de s'accomplir. Au moment où je suis en train de parler, je vois les anges de Dieu qui commencent à mettre en fuite toute cette armée sataniste de démoniaques qui a été mise contre vous pour vous freiner, essayer de ne pas faire avancer les choses. Dans le nom de Jésus, je viens chasser le diable de vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, qui est en train de dire, oui, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que le diable peut vraiment envoyer ces choses-là? Vous savez, Satan peut attaquer des chrétiens. Satan peut attaquer des chrétiens. Il y a deux raisons. La première raison, c'est l'ignorance. La deuxième raison, c'est la désobéissance. Toi qui me regardes là, si tu n'ignores pas ces choses-là, peut-être qu'au moment où tu es en train de me parler, là, les choses qui n'avancent pas dans ta vie sont peut-être causées par ça jusqu'au jour où tu prends véritablement autorité et tu prends la chose là au sérieux. Est-ce que tu comprends? Oh, gloire au Seigneur! Les deuxièmes verdicts que vous devez à tout prix renverser, ce sont les verdicts des scientifiques. Ce sont les verdicts des scientifiques. Vous savez, Dieu a créé l'univers. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'univers. Chers frères et sœurs, réalisons-le et comprenons-le. Vous, comme l'homme n'a rien créé. L'homme ne fait que découvrir des choses. C'est Dieu qui a créé. Celui qui a créé, c'est celui qui décide. Regardez, il a créé la terre. C'est lui qui est capable, vous comprenez, de demander à la pluie de s'arrêter, de demander à la pluie de tomber. Est-ce que vous suivez? Et cette même personne-là qui a créé tout ça, les nuages, la pluie, dit que toi qui me regardes, si tu déclares, si tu dis à la pluie de s'arrêter et que tu ne doutes pas dans ton cœur, la pluie va s'arrêter. Si tu dis à la pluie de tomber et que tu ne doutes pas dans ton cœur, la pluie va tomber. Lui-même qui a créé ces choses-là, il va conditionner ces choses à ta parole. Et il dit, si tu y crois, ça va arriver. Et les scientifiques vont nous dire, non, mais il ne suffit pas d'y croire. Pour que la pluie puisse tomber, il faut un amas nuageux de ceci, de cela. Il faut que les nuages nanani nanana puissent commencer à se fusionner pour faire tomber des choses. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que scientifiquement, ils disent. Mais spirituellement, il y a des lois qui régissent, vous comprenez, le monde spirituel. Et ces lois-là, vous comprenez, peuvent influencer le monde physique. Dieu qui a créé ce monde physique a créé des lois spirituelles qui peuvent incuber, dominer, qui peuvent influencer les lois naturelles. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi je vous dis ça? Je vous le dis parce que les médecins vont étudier le corps humain. Ils vont faire des études, c'est bien, gloire à Dieu, mais vraiment c'est super. Dieu merci pour les médecins. Je n'ai rien contre les médecins, je le redis, ils font leur boulot, c'est leur vocation, il n'y a pas de problème. Mais notre vie en tant que chrétien ne doit pas être fondée sur ce qu'ils disent. Ça doit être fondé sur la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, si vous bâtissez votre vie sur ce que les scientifiques disent, sur ce que les médecins disent, et ils pourront sceller, dire des verdicts sur vous et vous ne pourrez pas du tout les renverser, vous les subirez. Certains vont dans les hôpitaux et les médecins lui disent « Non, il reste 6 mois à vivre. » Moi, je connais des chrétiens, ça fait un moment qu'on leur a dit qu'il reste 6 mois à vivre. Mais ils sont déjà à plusieurs années, ils continuent à vivre. Moi, je connais une dame, on lui avait dit qu'elle n'allait plus jamais marcher. Au moment où je suis en train de parler, cette dame marche, elle s'est levée de son fauteuil roulant. Est-ce que vous comprenez? Allez expliquer ça. Parce qu'il y a des lois qui sont au-dessus. Alléluia, des lois naturelles. Ce sont des lois spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous les comprenez, mes chers frères et sœurs, vous arrivez à annuler les verdicts des médecins. Prenez au sérieux ce que les médecins vont vous dire. Prenez au sérieux les symptômes que vous pouvez ressentir. Quand vous commencez à accepter des symptômes de maladie, parce qu'un symptôme va t'amener vers une maladie. Vous comprenez?
Et le diable va commencer par te faire ressentir des symptômes d'abord, avant de pouvoir certifier, confirmer que tu as cette maladie. Le symptôme lui-même est une menace déjà. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez prendre ça au sérieux. Quand vous ressentez un symptôme de maladie, vous devez vous lever et prendre autorité, dire dans le nom de Jésus, j'interdis. Quand je m'arrête comme ça pour prier en langue, c'est parce que je ressens l'onction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous dites, j'interdis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth à ce symptôme de se manifester encore dans mon corps. Je fais taire la voix de la chair dans le nom de Jésus. J'élève l'esprit et je fixe mes yeux sur le Seigneur. Et à partir de ce moment, vous défocalisez vos regards sur les symptômes et vous fixez vos yeux sur le Seigneur et sa parole. Et vous allez voir, mes chers frères et sœurs, les symptômes ne confirment pas la maladie si vous agissez comme ça. Mais si vous acceptez ces symptômes et vous abandonnez votre corps à ces symptômes, à partir de ce moment, la maladie va puissamment prendre place. Et quand elle prendra place, mes chers frères et sœurs, à partir de ce moment, ce sera difficile maintenant de faire marche arrière. Difficile, mais pas impossible. Est-ce que vous comprenez? Et d'ailleurs, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Si actuellement, tu n'es plus aux symptômes, tu es à la déclaration de la maladie, c'est-à-dire que les médecins ont dit, les scientifiques ont dit que tu as tellement mal. Et tu ressens les symptômes. Au moment où je suis en train de prier, je sens l'onction de Dieu sur moi. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth annuler maintenant le verdict des médecins. Dans le nom de Jésus, je vois la main de Dieu toucher ton cerveau. C'est bizarre ce que je suis en train de ressentir, de voir. Je vois quelqu'un en fait. Le problème, c'est dans son cerveau. Je ne sais pas si c'est un caillot, si c'est une tumeur, si c'est un problème. En tout cas, les médecins ont dit quelque chose sur son cerveau. Au moment où je suis en train de parler, je vois le feu de Dieu commencer à entrer dans ton cerveau et totalement détruire ce caillot, détruire cette chose qui est dans ton cerveau. Je vois une chose, mais je ne sais pas, je ne peux pas donner un nom, vous savez, à cette chose. Je la vois et dans le nom de Jésus, au moment où je suis en train de parler, le feu de Dieu est en train de consumer cette chose et je vois cette chose disparaître maintenant. Mes chers frères et sœurs, vous voyez l'importance de partager l'émission maintenant parce que vous pouvez sauver la vie à quelqu'un. Vous pouvez sauver la vie à quelqu'un. Est-ce que vous savez que pendant qu'on est en train de faire cette émission-là, les paroles de connaissance qui sont données vont toucher les gens, vous comprenez, des jours, des mois, parfois même des années après, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, si la parole de connaissance que j'ai libérée te concerne, tu vas recevoir la guérison au moment où je suis en train de parler, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, je sens l'onction maintenant pour prier pour tous ceux qui sont malades. Au moment où je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui a mal au niveau des articulations. Dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer maintenant que cette douleur disparaît maintenant. Maintenant, au moment où je suis en train de parler, je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Je déclare que le feu de Dieu, je déclare que l'onction de Dieu, je déclare que la puissance de Dieu touche maintenant tes articulations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la liberté. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je te bénis. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, ton onction, là où ils sont maintenant, toutes les personnes qui sont connectées à cette émission maintenant, reçoivent ta grâce, reçoivent ton onction, reçoivent ta puissance maintenant. De la tête jusqu'à la pointe des pieds, elle descend maintenant sur eux. Père éternel, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui ne sont pas malades soient équipés. Dans le nom de Jésus, souffle l'esprit. Touche-les maintenant. Onction de Dieu, touche-les maintenant. Père, qui ressent ta puissance de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Au moment où je suis en train de parler, il y a certains d'entre vous, vous ressentez la puissance de Dieu. Certains, vous ressentez comme des frissons qui sont en train de vous traverser. D'autres, vous ressentez comme de l'électricité qui commence. Hein. C'est comme des petits picotements qui traversent tout votre corps. Certains ressentent comme une chaleur au niveau du dos. Cette chaleur s'intensifie maintenant au moment où je suis en train de parler. Désolé, je n'ai pas le temps de lire vos commentaires. Mais je n'ai pas le temps de lire vos commentaires, mais la grâce et la puissance de Dieu est là. Et je crois que quelque chose est en train de se passer maintenant. Peut-être que tu me regardes maintenant, c'est ton enfant qui est malade. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je proclame la guérison. La Bible dit ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. Alors, je ne permets pas cette maladie dans le corps de ton enfant au nom
puissant de Jésus. Et je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, de ne pas permettre cela parce que la maladie est illégale dans ton corps. Au nom de Jésus, au moment où je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri, en fait, d'une douleur au niveau du cou. Et la douleur est comme à ce niveau-là, au niveau du cou. Excuse-moi, je ne sais pas trop si c'est un torticolis, je ne sais pas où tu t'es fait mal, mais cette douleur est là. Au moment où je suis en train de parler, la main de Dieu est en train de toucher ton cou et tu es en train de recevoir la guérison maintenant. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un d'autre qui est en train d'être guéri maintenant. Non, des maux de ventre, ce sont des maux de ventre. Tu as mal au ventre au moment où tu es en train de regarder cette émission. Je sens l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en train de toucher maintenant ton ventre. Au moment où je parle, tu sens comme une chaleur qui est en train de toucher ton ventre, qui est en train de saisir ton ventre. J'appelle dans le nom de Jésus la liberté maintenant. Je déclare au nom de Jésus que cette douleur cesse. Elle s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'esprit de Dieu au niveau de ton ventre. Reçois l'onction de Dieu au niveau de ton ventre et reçois la guérison et la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui perd les cheveux. La personne perd abondamment les cheveux et ça commence à te faire peur. Au nom de Jésus, je ne parle pas des chauves et de toutes ces personnes-là qui perdent les cheveux normalement. Non, 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 je parle de quelqu'un, c'est maladif. Et tu sais, tu as l'impression, tu sens que ça a un rapport avec une maladie. Ou peut-être que les médecins t'ont déjà dit quelque chose. Au nom de Jésus, je vois l'huile comme une goutte d'huile qui touche ton cuir chevelu et qui rétablit les choses. Au nom puissant de Jésus, reçois la puissance de Dieu, reçois l'onction de Dieu maintenant. Au moment où tu regardes cette émission, la grâce et la puissance divine est en train de te toucher maintenant. Au moment où je suis en train de parler maintenant, il y a des personnes qui ont des problèmes avec des cauchemars. Les cauchemars, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à dormir dans la nuit. Et certains d'entre vous, vous rêvez dans la nuit. Pourtant, physiquement, vous êtes en bonne santé. Mais dans la nuit, vous rêvez que vous êtes malade. Quand vous vous réveillez, vous êtes en bonne santé. Mais vous avez l'impression que vous êtes malade dans la nuit. C'est vraiment bizarre ce que je suis en train de voir. Mais quelle que soit la personne, au nom de Jésus, au moment où tu es en train de me regarder, je proclame now, maintenant, la délivrance totale. J'appelle l'onction du Saint-Esprit maintenant sur toi. Vous savez, il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Je vous dis, je vous assure, je vous garantis, au moment où je suis en train de parler, le Saint-Esprit me le reconfirme encore. Il y a un ange dans chacune des maisons qui est connecté à cette maison, à cette émission. Chacune des personnes connectées à cette émission, Dieu a déjà déployé un ange au minimum pour venir opérer là où ils sont. Donc, je n'ai pas besoin d'être là où vous êtes pour poser ma main. Les anges de Dieu sont là. Père éternel, je déclare au nom de Jésus que certains voient même ces anges dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta main qui agit puissamment. Seigneur, merci parce que tu touches les vies maintenant. Père, merci parce que tu délivres cette personne qui a des cauchemars dans le nom puissant de Jésus. Tu délivres cette personne qui a des cauchemars dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui me regarde maintenant. En fait, elle a des choses qui marchent dans son corps. Elle ne sait pas ce que c'est, mais il y a comme des choses qui marchent partout dans son corps et elle est perturbée par ça. Et laisse-moi te dire, ce sont des oppressions. Au moment où je suis en train de te parler, je vois des chaînes qui brûlent littéralement. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber et qui brûlent littéralement. Reçois l'onction de Dieu maintenant. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Satan, tu libères sa vie dans le nom de Jésus. Tout sort envoyé sur sa vie a échoué dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance now, au nom de Jésus. Je déclare la délivrance totale de son corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Loko bosanda la basse ki rebe kaya mandolo bosaya ki baba sande lebe. Priez avec moi. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Son talamando lo bosaya kinda la basso koloboche. Riko so koroko santa ramande ki do robo sanda ramase ke teke rabasaya kayaba. Riko toko robo bosanda ramase. Riko sanda ramamamamaze. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ta liberté. Je déclare ta délivrance. Dans le nom de Jésus, soyez guéris des crises d'épilepsie.
Dans le nom de Jésus, soyez guéris de maux de dents. Dans le nom de Jésus, soyez guéris de céphalée. Dans le nom de Jésus, soyez guéris de toutes sortes de maladies maintenant. Quel que soit le nom de ta maladie, même si je ne l'ai pas cité, la puissance de guérison est là maintenant pour te restaurer, pour te délivrer, pour te guérir totalement. Je renverse tout verdict de mort sur ta vie au nom puissant de Jésus. Là où les gens ont dit que tu mourras, je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Tu vivras, tu annonceras les œuvres de Dieu. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel dans le nom de Jésus. Reçois cette parole, prophétique. Reçois cette parole comme une parole venant de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la délivrance maintenant. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Roko shantara mandoro bo sandara basaya. Reke sandara maseke ya mandolo bo bosi. Liko bo sokoro bo sandara basaka mama 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 masi. Loko sakaya mandolo bo saya mandolo bo saya. Hebe be 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 sakara basandara baraba sandara bakaya. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Beke sandara basiki reke sende. Ribo sata bakaya mando. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Hallelujah. Merci, Jésus. Merci pour les verdicts des médecins qui sont renversés. Oh, hallelujah. Reke sandara basaya mandorobo. Ribosa tabakaya tosoko borobo sakaya mama. Leke sayamando. Leke sandara basakaya baba babaze. Liko sandara mashekera mandara barabaze. Je vais faire une prière spéciale maintenant. Vous êtes là. Écoutez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de partager la vidéo, partagez-la maintenant. Partagez-la maintenant. Je vais vérifier. Il y a combien de partages maintenant. Partagez-la maintenant parce que je vais faire une prière spéciale qui va vous permettre d'aller prier pour vos proches qui sont dans le besoin, pour que ce que vous avez reçu ce soir, vous receviez cela. Mais partagez la vidéo avant. Partagez la vidéo avant, mes chers frères et sœurs. Je vais regarder combien de partages il y a. Je connais, je vois, nous tous, nous voyons le nombre qu'il y a de personnes. En principe, il doit y avoir au minimum autant de partages. Mais partagez-la afin que nous puissions prier maintenant pour toutes ces personnes qui nous regardent maintenant. Gloire à Dieu. Rosa Kayamandolobo Sayakama Setekeyebe. Bébé. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, hallelujah. Je vais prier maintenant. Je vais prier maintenant pour certains d'entre vous. Vous allez, là où vous êtes, vous allez tout simplement lever vos mains. Je ne sais pas avec qui vous regardez cette émission. Vous allez lever vos mains, vous allez considérer vos mains maintenant. Je vais prier pour que l'onction de Dieu touche vos mains là où vous êtes maintenant et que vous alliez imposer les mains à ce parent malade, à ce proche malade. Mes chers frères et sœurs, je vous dis, je ne suis pas à côté de vous, mais le Saint-Esprit est là. Les anges de Dieu sont là et c'est eux qui vont le faire, vous savez. C'est par le Saint-Esprit que ça se fait. Maintenant, vous allez tout simplement tendre vos mains. Je vais prier pour vos mains et vous irez imposer les mains. Vous allez voir, s'il y a quelqu'un de malade à côté de vous, quelqu'un qui a un problème à côté de vous, vous allez poser votre main sur la personne et quelque chose va se passer. Tendez vos mains maintenant. Père éternel, je viens te prier pour toutes les personnes maintenant qui montrent leurs mains, qui tendent leurs mains, Père. Père, je prie pour l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Au moment où je souffle sur ma main, c'est comme si l'Esprit de Dieu soufflait sur vous et vous allez ressentir l'onction de Dieu. Je vous dis, c'est incroyable, mais je vous assure que là où vous êtes, vous allez ressentir l'onction de Dieu. Père, au moment où je souffle sur ma main, je prie que ton onction, Seigneur, les touche et que, Seigneur, le souffle, ton souffle puisse toucher maintenant le nom de Jésus. Je déclare qu'ils reçoivent. Ils reçoivent dans le nom de Jésus l'onction pour imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Recevez-la dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, vous recevez maintenant. Certains d'entre vous, vous ressentez maintenant de la chaleur au niveau de vos mains. Cette onction vous a été communiquée. Vous sentez vos mains commencer à s'alourdir. Cette onction vous a été communiquée maintenant. Vous savez, pourquoi je proclame cela? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je dis l'onction en train de faire ceci sur vos mains, l'onction en train de faire cela? Parce qu'en fait, vous savez, quand je le déclare, je le reconnais officiellement. Vous savez, quand je le reconnais officiellement, votre foi s'affermit. Est-ce que vous comprenez? Et à partir de ce moment, vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris, mes chers frères et sœurs. Nous allons prendre des témoignages et quelque chose de puissant. Korasi karamandorobo saya riko sanderebe saya va se passer. Korosande kasi kamandorobo seke liko sakamante keramasonte libo sakabarabasi kabaraba koso balakai dalaba delebe. Dans le nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la puissance de Dieu maintenant, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, maintenant, au nom de Jésus. Que ce soit en direct, que ce soit en différé, tu reçois l'onction, tu la ressens physiquement. Vous savez, l'onction, c'est quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose de palpable. Vous pouvez la ressentir. Et je crois qu'au moment où je suis en train de parler, vous ressentez la grâce et vous ressentez l'onction de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton onction. Korabasa taramandere ke sakaya mandolo bosaya. Likabasa tabakoto bosendele bekasa bababaze. Likobosanda labasa kareke saya bababaze. Likamasa tabareke sandaramase. Roboshanta rasa takarababase. Lokoson taramashente ra. Kasende likabaramasinta ramandorobosaya ribasa takaramanda rabasa karabaze likobobo santa ramasende ribe rabaze. Oh hallelujah. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Maintenant règne sur le trône de leur vie. Maintenant règne sur le trône de leur vie. Viens Jésus, prends la place du roi. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Gloire à Dieu. Rosa tamandere ke sakaramase te kerabasi kalaba likasanda ramandelebe likosa talamandele ke terebesaya likasanda ramase ke tekeye lobosanda. Merci Jésus. Hallelujah. Oh rasa kamando lobose ke lebesaya. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour cette émission. Père, merci pour toutes les personnes que tu as touchées, pour toutes les personnes que tu vas encore toucher. Gloire au Seigneur. J'aimerais juste vous dire que le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre, on se retrouve au 3436 Avenue Président Salvador Allende, le vendredi soir à 19h30, le samedi à 14h30 et le dimanche pour les deux cultes pour un séminaire de guérison et de puissance. Vous avez des personnes qui sont malades, amenez-les. Vous avez reçu votre guérison aujourd'hui. Venez aussi à ce moment-là pour venir témoigner. Je vous attends nombreux. Nous vous attendons nombreux à ce moment. Restez connectés sur notre chaîne de télé. Restez connectés sur mon Facebook pour avoir des informations. J'aimerais aussi vous dire que si vous connaissez des personnes à Lyon, nous avons ouvert ACER Lyon avec le pasteur Yvon et Tina Moketou, des hommes de Dieu Ouin. Tous les dimanches, nous avons des cultes. Mes chers frères et sœurs, nous ne faisons pas des choses comme des amateurs. Il y a une équipe de chantres, il y a tout un protocole, c'est toute une église. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont aller dans un groupe de maison quelque part. Non, c'est une église. On a une salle, tout est organisé pour. Si vous allez sur Évangile TV, vous allez voir des prédications qui ont commencé déjà. Vous pouvez y aller. Si vous connaissez des personnes, envoyez-les là-bas, là où on enseigne la parole de Dieu, là où on éduque les personnes à penser correctement, à penser selon la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez été bénis. Il y a quelques témoignages. Merci, apôtre. L'onction est tellement puissante que les larmes coulent. Gloire à Dieu. Si vous avez aussi des témoignages là, envoyez-les maintenant. Il nous reste quelques minutes. Envoyez-les maintenant. On va les donner. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, quelqu'un ressent l'onction de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Moi aussi, je sens l'onction de Dieu puissamment. Je sens l'onction de Dieu puissamment. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va toucher plus de personnes, vous savez.
Ora si kamandolo bosaya. Oh hallelujah, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh hallelujah, merci Seigneur. N'oubliez pas de partager, ok? Partagez, 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 partagez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai vu un ange, Peggy Feliciane dit, j'ai vu un ange. Gloire à Dieu, je l'ai prophétisé tout à l'heure. Merci beaucoup de rendre ce témoignage. Que le Seigneur puisse te garder, en tout cas, merci Peggy. Que le Seigneur, prenez vos donnez vos témoignages rapidement, je vais vous les donner. Ingrid Ougoula dit, pasteur, ton message était fort. Oh, gloire à Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Amen, merci apôtre pour cet enseignement. L'onction de Dieu est avec nous. Je l'ai vraiment ressenti. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ça le but. Je vous ai dit que le soir, le jeudi soir, ça va être pour ça. Le jeudi soir, ça va être pour ça, pour vous communiquer la grâce de Dieu et l'onction. Gloire à Dieu. Mon épaule est guérie et je continue de ressentir l'onction. Oh là 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 là, acclamons le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a reçu la guérison au niveau de son épaule, c'est Hortense. Gloire à Dieu. Elle dit, mon épaule est guérie, je continue de ressentir l'onction. Oh, gloire au Seigneur. Oh, 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 oh. Nous avons des témoignages. Continuez à envoyer les témoignages. Vous avez été touchés, vous avez été puissamment touchés. Envoyez les témoignages maintenant en direct. La gloire au Seigneur. Vous ressentez la puissance de Dieu, vous ressentez l'onction de Dieu, vous avez été béni, merci apôtre, j'ai senti une chaleur sur tout mon corps, c'est Minerva Nathaniel, oh gloire à Dieu, Minerva dit elle a senti une chaleur sur tout son corps, l'onction de Dieu était véritablement présente, au moment est véritablement présente, au moment où je donne cette émission, vous savez je ressens l'onction de Dieu, je ressens la puissance de Dieu, témoignez pour que les autres puissent être bénis, pour que les autres puissent recevoir, quand tu as soufflé dans tes mains, ça c'est héroïne, quand tu as soufflé dans tes mains, j'ai senti ma main comme lourde, comme si elle se solidifiait. C'est l'onction de Dieu, c'est la grâce. Take it in Jesus' name. Reçois-la, que ça se double encore dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis, apôtres. Envoyez vos témoignages. Vos témoignages me bénissent. Vos témoignages me bénissent et je pense que c'est en train de bénir les gens maintenant. Pendant toute l'émission, la grâce de Dieu s'est manifestée. Envoyez vos témoignages maintenant. Scellez cela. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Scellez cela maintenant si vous avez ressenti une onction. Dites-le maintenant, l'onction de Dieu, je vais prier pour qu'elle soit scellée. Adrien dit, pareil, j'ai senti mes mains devenir lourdes. C'est l'onction de Dieu, ok? Quand ça touche vos mains vont faire comme si ça pesait une tonne. Merci pour l'équipement, je sais que j'ai reçu. Hélène Ndakissa dit, j'avais mal au cou à l'instant même que vous avez prophétisé, la douleur est partie. J'ai enlevé la minerve que j'avais au cou. Oh, alléluia. Est-ce que vous entendez ce témoignage? Est-ce que vous entendez ce témoignage d'Hélène? Elle dit, elle avait mal au cou à l'instant même où j'ai déclaré la parole prophétique. Gloire au Seigneur, la douleur est partie. Elle a enlevé la minerve qu'elle avait. La minerve, c'est ce qu'on met au cou, en fait, pour pouvoir retenir. Oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Oh, alléluia. Envoyez vos témoignages, ça me bénit là, ça me bénit davantage. En tout ce que les médecins ont dit à mon sujet est renversé au nom de Jésus, gloire à Dieu. Oui, je sens l'onction, j'ai chuté dimanche dans l'escalier de chez moi depuis avant hier, j'avais très mal au niveau du sacrum, mais là j'ai senti quelque chose, je ne sens plus la douleur, merci Seigneur, ça c'est Sissi Crin, gloire à Dieu, là où vous êtes acclamé le Seigneur, gloire à Dieu, merci, quelqu'un d'autre a ressenti l'onction de Dieu, la douleur est partie, il n'y a aucune douleur qui va rester dans votre corps au nom de Jésus, je vous dis que l'onction de Dieu est là, les anges de Dieu sont là, là où vous êtes, l'œuvre de Dieu n'a pas fini, gloire au Seigneur, j'ai senti la présence de Dieu lourdement et encore maintenant, gloire à Dieu, vous allez dormir comme des bébés ce soir à cause de cette onction qu'il y a sur vous, oui, j'ai senti des frissons dans mes mains, pasteur, je vais aller imposer les mains dans ma famille, vas-y ma soeur, au moment où tu priais pour l'onction de guérison, mes mains chauffaient, gloire au Seigneur. Oh, hallelujah. Non, Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Robosanda. Eli Loulou, mes mains étaient lourdes et au milieu, il y avait un courant et comme un cadeau déposé dans chaque main. Ce sont les anges de Dieu qui venaient remettre quelque chose. Hallelujah. Quelque chose s'est passé ce soir. Vos vies, les témoignages sont en train d'arriver. Gloire au Seigneur. Les témoignages puissants sont en train de venir. Alléluia. Gloire à Dieu. On a quelqu'un qui a enlevé une minerve. On a quelqu'un qui avait mal à l'épaule. L'épaule a été guérie instantanément. On a quelqu'un qui a fait une chute et qui a reçu aussi la guérison. David dit, j'ai ressenti la chaleur et la présence de Dieu dans mon corps. Merci pour vos enseignements. Soyez bénis, Christelle. Ah oui, ça c'est
Christelle et David. Gloire à Dieu. Tracy Moumou dit Alléluia. Oh, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Oh, Rasanda Ramaso Koyo Momo Momo Saya. Seigneur, merci parce que je scelle cela au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je scelle les guérisons. Dans le nom de Jésus, je scelle les grâces déposées. Je déclare une vie de victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Koro Chandelebe Saya, Mindolobo Saya, Leke Saya Mande, Lokoso Kolobo Saya Mandelebe. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour vos témoignages. Vous pouvez continuer à les envoyer. Nous, on va les recevoir après. Gloire au Seigneur. Donc, restez connectés sur mon Facebook. Je vous annoncerai le prochain direct. J'aime bien cette expérience de ce soir et j'aime bien la soirée. On dirait que vous êtes plus disponibles le soir. J'aime bien cette expérience. Gloire à Dieu. On va la renouveler. Restez connectés sur Facebook, restez connectés sur Évangile TV, votre chaîne de télé 24 heures sur 24. Si vous avez été béni par cette émission et vous voulez vraiment nous encourager à faire encore plus, à produire encore davantage, vous pouvez faire un don à cette émission et le Seigneur va vous le rendre. Gloire au Seigneur. Je vais terminer avec ceci. Je vais vous montrer comment on peut faire un don sur Évangile TV. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. D'ores et déjà, je vous souhaite une agréable soirée dans la présence du Seigneur. Ceux qui veulent faire un don, maintenant, ceux qui veulent faire les offrandes, ok, gloire à Dieu, c'est l'heure des offrandes. Je vais vous montrer comment faire un don pour notre ministère média afin de toucher plus de personnes. Je vous dis bonne soirée dans la présence de Dieu. Ciao, bye bye. Bien-aimé en Christ, bonjour, partenaire dans la prédication de l'Évangile, bonjour. J'ai un autre tutoriel à vous faire concernant Évangile TV. C'est la possibilité que vous avez de participer à la même grâce que nous, celle de la prédication de l'Évangile, en étant partenaire avec nous et en nous soutenant financièrement. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire un don à notre ministère pour que Évangile TV puisse continuer à produire des émissions de qualité comme celles que vous voyez sur notre site, bien sûr. Vous êtes ici sur la page d'accueil, c'est très simple. Vous avez la possibilité de faire un don ici en cliquant sur le petit cœur juste à l'extrême droite en haut. L'extrême droite en haut, sur la même ligne que la barre de menu, vous allez voir le petit cœur blanc dans un carré jaune et vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page « Nous soutenir ». Et ici, vous avez des informations concernant le don que vous voulez faire. Soit vous cliquez 25 euros, 50, 100, 500, 1000 pour ceux qui veulent donner 1000 euros. Ou bien vous personnalisez le don. Pour personnaliser le don, vous cliquez ici. Par exemple, vous dites je veux donner 5 556 euros. Vous voyez? Et puis, vous choisissez ici. Le motif de la campagne de don. Il y a d'autres motifs hein, qui vont bien sûr s'afficher. Il y aura l'objectif mensuel, il y aura sponsoriser les croisades de guérison, il y aura sponsoriser la création des églises, il y aura pas mal de motifs de donation. Il y a soutenir Évangile TV et ses animateurs. Et vous pourrez choisir et vous mettez votre prénom, votre nom, votre email, votre ville, votre adresse. Et si vous voulez faire un don anonyme, vous faites un don anonyme, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'en faisant un don, vous êtes partenaire avec nous et c'est important que nous puissions vous connaître et entrer en contact avec vous pour prier pour vous et vous bénir avec la parole de Dieu aussi. Et vous avez donc la possibilité ici de le faire pour le compte de quelqu'un d'autre. En fait, pour le compte de, vous choisissez une église, une entreprise ou une association. Et vous tapez le nom et puis vous arrivez à la possibilité de payer par carte de crédit, par PayPal, c'est la carte de crédit aussi, hein, et puis les moyens hors ligne. La carte de crédit, sachez que c'est vraiment sécurisé. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui recevons les informations de votre carte de crédit, c'est plutôt la banque qui reçoit cela avec un système crypté et totalement sécurisé, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui connaissent le système PayPal, il est là, vous pouvez faire un don par PayPal
Et on vous donne la possibilité de faire un don, bien sûr, par Western Union. Vous envoyez, bien sûr, au nom Grace Mampembe. C'est une de mes assistantes qui ira prendre le Western Union pour le ministère. Et vous mettez, bien sûr, en motif soutenir le ministère ACER ou soutenir Évangile TV. Vous pouvez aussi le faire par virement bancaire. Vous avez le numéro du compte ici que vous pouvez, bien sûr, utiliser pour faire le virement. Dès que nous recevons le virement, nous vous contactons pour prier avec vous parce que c'est très 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 important que nous prions avec nos partenaires. Vous pouvez le faire aussi par chèque à l'ordre de l'ACER et vous envoyer bien sûr à l'adresse qu'il y a juste en bas ici. Vous pouvez faire votre don maintenant en cliquant sur le bouton juste en bas, faire un don maintenant. Et je prie.